Téléspectatrice, téléspectateur, auditrice, auditeur de Télé-Radio Provinciale et de Jean-Hubert Janoual TV. Nous allons présenter l'autre version de Haïti Horizon 2054, qui sont émissions de réflexion, d'analyse, situation politique nationale et internationale. Et m'a dit Jean-Hubert, bonjour, bonsoir, comment est Jean-Hubert? Bonjour, bonsoir Rinal et salut à toutes et à tous. Moi en pleine forme et moi pareil, je dis encore pour nous faire une bonne émission sur Haïti avec des incursions internationales juste pour quelques exemples. Jean-Romain, le map gardé, question insécurité, à qui y a un problème majeur pays. N'attend force étrangère, ou encore, dans mon gardé, quantité de monde qui est en BESAP, qui ont expérience militaire, ancien militaire, l'op gardé la police, l'op gardé l'armée, est-ce que pas une possibilité pour que structure ça y développe et que y adresser sécurité à travers structure là. L'autre bail bien pour nous garder, c'est question instabilité. Nous connaissons instabilité, monde qui crée c'est classe politique parce que pas entendre. Et c'est eux qui créent instabilité politique là qui fait population souffrir. Nous allons garder ça. Et puis, troisième élément, à travers le problème qui est une question impunité. Bandit, finance, ouais, mort, dégâts faits, etc. Et trois, il a toujours même dit, les trois I, n'a pas regardé plus près à travers réalité politique sociale en Navéa, puisque tous yeux braqués sous 7 février, en nous garder en attendant 7 février arrivé. Donc, par contre, comment? La va le faire parce que nous avons toujours une incertitude. Jobem Basso Mikwa. Merci Rénal. Et nous allons regarder, et à travers les derniers textes m'écrits, hein, et qui sorti 1er février, sous bloc moyen, Jean-Aubert Jean-Noël, JR Jean-Noël, blogspot.com, côté m'aborder question ça. M'aborder question instabilité politique, impunité, insécurité. Là, nous prenons le cas de Haïti, qui est problème majeur aujourd'hui. C'est insécurité. Nous pensons que gagner possibilité au niveau national, si des grandes tentes, pour nous résoudre le problème insécurité. Hein? J'ai dernière information qui sortit sous groupe BESAP qui est proche de Philippe. Il parlait d'à peu près 30 000 hommes. Marron, si je sais vrai, s'il faut, mais il y a un pile de réseaux sociaux qui bali, dont il y a un homme qui fait confiance, qui répétait ça, ou dit tout, c'est Abner Gélé. Moi, je connais la d'Haïti, il y a au moins 3 000 personnes là-dedans, et la police nationale, il y a au moins 10 000 personnes. Donc, si nous devons adresser ces questions d'insécurité, hein, et j'en lié, je dis, insécurité globale, côté bandit ou pas gagné, bon, moi, les terroristes, je vais me parler de bandits, parce que j'ai des gens qui tuent, gens qui ont machine publique, sans gens n'ont pas fait rien, qui tuent gens qui ont machine privée, sans gens n'ont pas fait rien, qui attaquent des institutions de l'État, sans ne pas faire rien. Et il y a des gens qui parlaient de plus d'une cinquantaine de commissariats ou bien encore de postes de police qui sont dans le container, etc., que Bandio et prend depuis toute période ça. Donc, nous n'avons pas parlé de bandits, de gangs, nous avons parlé de terroristes. À ce moment-là, si tu as gagné une entente, c'est des groupes qui liés tout à l'État, parce que c'est des groupes qui étaient mis en place suite au BESAP par l'État haïtien. Et sous la police nationale, qui sont forces régaliennes de l'État,
et vous avez l'armée d'Haïti sont forces régaliennes de l'État, si vous avez fait une alliance, vous même avec accord gouvernement, pour faire face à l'insécurité que les bandits ont constitué, que vous parlez de à peu près 15 000 bandits qui gagnent 15 000, nous même 15 000 terroristes. Donc, dans ce sens, je pense que nous sommes capables de jouer nos solutions internes à ce problème. Ça. Nous ne pouvons pas entrer dans la question Kenya, parce que bon, Kenya, parce que Kenya, il dit la venir quand même, malgré l'interdiction et Cour suprême. Et je ne pas dire que si Cour ça, son Cour suprême, parce que les Cour suprême viennent parler, parce que le monde ne dit rien encore. Qu'il doit peut-être nous-mêmes nous associer là en Cour suprême, peut-être pas en Cour suprême, puisque nous allons parler de recours. Parce que les Cour suprême viennent prendre une décision, parce qu'il y a recours. Donc, dans la logique, ça, moi, c'est six solutions, sont solutions haïtiennes liées. Je ne pense pas d'adouer en guerre civile. D'un coup, la police nationale campé en bandition, et je ne sais pas si campé en bandition, tout, pour faire face à la menace de déstabilisation que représentait Guy Philippe. Alors, l'homme d'adé, les Américains, a parlé de déstabilisation système haïtien. Est-ce qu'il y a parlé de même bagarre avec nous? Parce que nous-mêmes, le système s'est déstabilisé depuis longtemps. Ce n'est pas statu quo qui vient aujourd'hui. Parce qu'il y a des bandits qui mettent pays, qui occupent 80% de Port-au-Prince, qui occupent une bonne partie de la Tibonite, qui ont des poches à travers le pays. Est-ce que c'est ça que stabilité? Est-ce que c'est ça que l'équipe Guy Philippe, là, avec Moïse Jean-Charles, tout le monde a parlé de manifestations, de crasse, surtout Moïse Jean-Charles qui a parlé de crasse et brisée. À nous craser, mais à nous refaire. Maman, c'est ça, parler de déstabilisation. Pourquoi ça vous dire la déstabilisation? Parce qu'Haïti est déstabilisé depuis longtemps. C'est une raison que depuis et longtemps, nous-mêmes, nous parlons de 3 I. Nous parlons de stabilité politique, nous parlons d'insécurité et nous parlons d'impunité. Et ça joue aussi, même les regardent comment la justice a fait quelques mouvements, mais c'est des mouvements orientés et qui visaient vraiment de toucher certains mondes qui liés à la politique. Donc, moi-même, franchement, là, nous était la question insécurité, comme on a dit, lié à l'instabilité politique, lié surtout aux politiques et au secteur des affaires. Donc, ça veut dire que faut que nous résoudre le problème, ça, et si nous ne résoudre pas, Haïti va pas nulle part. Et je vais vous regarder, mais au niveau Kenya, il y a un nombre qui dit que le tribunal te joint comme faiblesse, c'est que pas de bon accord bilatéral entre le gouvernement haïtien et le gouvernement Kenya qui dit bon, force la venir pour combien de temps, qui marge de manœuvre, etc. Il semblerait que le premier ministre ait adressé directement à Nations Unies. Et il y a des grands efforts qui fait, puisqu'il y a des représentants des Nations Unies qui étaient l'autre bois. Je ne sais pas est-ce que vous arrivez à établir un accord bilatéral ça, qui permette que Kenya a toujours venu. Donc, c'est des questions à poser parce que nous avons moins d'incertitude. Remarquez 240 millions de dollars pour qu'il permette matériel. Kenya, au côté Kenya, un pays qui se fait le cadeau 6 avions militaires, etc. Donc, imaginez que vous avez fait ça. Puisque le ancien militaire, il était fait partie du gouvernement. La police ou l'armée, et que classe, ou bien dit, en question entente, que classe politique a entendu, le ça, il a dit, aide, que y a pas de Kenya venir, mais qui ça a besoin, et mais qui ça y a pas acheté tout, en termes de matériel, pour force ça qui combine, en termes de drones, en termes d'hélicoptères, en termes de chats, etc., qui ne permettent ni l'armée ni la police qui est armes suffisantes, puisque la police n'a pas renforcé, on partit dans le Bessap, la rejoindre la police, on partit rejoindre l'armée. Donc, l'État a fait dans le cadre on entente. Et c'est entente ça qui parle dans le pays hein, entre classes politiques. Division qui crée instabilité politique. Instabilité politique, ce n'est pas trois dernières années ou là, non? Nous avons quelques années d'instabilité politique. C'est toujours bataille, retirer
bon blasta, sa tête sous place, elle vient de yon, yon a l'autre qui pas content, levé même bagaille. Donc, instabilité politique là, j'en dis, si nous ne résolvons pas le problème de instabilité politique, Haïti parfois pas. D'ailleurs, c'est instabilité politique, Jean-Robert, qui engendre yon nan yon insécurité et impunité à tout, li la dan, Jean-Robert. Et Jean Sotap dit à la justice a fonti levé, mais regardez, bagalon Jean biaisé, nan Jean ouais que la justice a fait. C'est comme si dire, conseil de mesure internationale de prend, quand on sait de moun, bon, j'ai wonje, en nous font semblant, en nous checker quelques moun, pour nous montrer, la peine devant le tribunal, mon senti pas qu'on va essayer ou yon a fait. Et on connaît que justice là, il a un rôle important. Pour qui retirer pays, ya, si nous pas encourage, pour nous punir, moun qui veut des autres dans le pays. Jean-Robert Jean dit, il est difficile, nous pas sortir, et insécurité nous gagne depuis 2 à 3 semaines dans différentes émissions, de jour en jour, pour moi-même, ouais, inquiétude ça grandissant. Et vous-même, comment vos côtés pauvres, la question inquiétude ça nous gagne. Oui, bon, tu as dit là longtemps, nous gagnons depuis Jovenel, nous gagnons depuis période pays loc. Monsieur Jovenel de Banfoise, qui est peut-être mon babaï importance, monsieur te dit que la stabilité politique est le premier des biens publics. Et c'est un bagay qui est évident, tout côté qui gagne instabilité politique, ou pas avancer. Et c'est l'instabilité politique ça qui fait que bandi ou vin point pied, j'en reprends. Il y a un peu de monde qui a cherché des causes actuelles pour montrer que c'est le gouvernement Jovenel, gouvernement PHTK, qui était bandit légal, qui était créé et insécurité dans le pays. Alors que l'insécurité dans le pays, hein, son bail qui l'a longtemps. Et vous êtes un article moyen, mais remonter le temps et monter depuis Dessalines pour montrer côté nous-mêmes, nous avons un cycle d'insécurité et pour des raisons politiques, pour des raisons de prise de pouvoir, pour des raisons d'autres toits que je m'y mette. Donc, et Livini a aggravé ces derniers temps. Pas de monde aujourd'hui hein, qui a une responsabilité unique. Sous question de sécurité en d'un pays d'Haïti. Et moi, je toujours dit, depuis Jean-Claude Allé, leur gagne Makout qui bat des armées, leur gagne une série de monde dans l'armée, qui leur liquide l'armée, ils ont fermé, donc tout le monde ne peut pas sortir avec Zamio, et ils sorti avec Zamio, et leur grand frappe qui était là depuis la période et coup d'État contre Aristide. Mounza ou toujours gen zami la mer ou. L'obre en question, rap pa kaka, ou bien encore, et tout l'autre, et rap, 20 ou bien, ça va traverser la rue. L'obre en série de Timoun, qui en époque donné, c'est Timoun, qui entre dans le groupe de gangs, et gang pilou kon kote ou te soti. Donc, question insécurité ces derniers temps, dans le processus démocratique là, il était toujours là. On est à l'obre en pleurs que un moun para contrôler. Et en plus, ça veut dire qu'on est à moins pas, je me comprends. Pour qu'ils aient bandi ça, pas jamais j'ai l'intention de viser le pouvoir. Parce qu'il n'y a aucune capacité pour prendre le pouvoir. Il n'y a pas de monde en face. Yo. La police nationale n'a pas de capacité pour le faire face avec eux. L'armée d'Haïti, pratiquement, li amorphe, li il n'a pas jamais montré que l'envie entre la bataille là. Et ces derniers temps, les plus et accompagné. Autorité qui vraiment li a joué rôle ça le rôle l'armée. Donc c'est la situation ça retrouve et c'est normal pour inquiet. Le regard des Bessabio dit qu'il a gagné à peu près 30 000 moun si c'est vrai. Et le regard de tout quantité d'armes neuf Bessab gagné. Le regard des équipements neuf que neuf Bessabio gagné. On va poser tête en question. Tout ça qu'a fait en Haïti, ça, là.
cette question de sécurité, bandit qui ont pas qu'à des armes, à mécher ça, à marcher pied à terre, ils n'ont pas même habillé dans le Koubessap, qui ces derniers temps, dans une série de bons échanges, bien bordés. On va demander de tout, est-ce que côté financement, ça a sauté? Est-ce que Haïti, en tant que pays qui servit et lieu, comme si on sorte de canal ou drogue, parce que nous, au changer nos émissions, nous avons fait, Nations Unies a établi clairement. Les armes qui entrent en Haïti, c'était à 80 combien pour cent, plus presque 95% aux États-Unis. Ils ont passé et dans le douane panneau. Ils ont passé tout par Saint-Domingue. Et là, il a montré dans le sens inverse, droit qui sortit en Amérique latine, ils ont passé par Jamaïque, ils ont passé par et ils ont sorti Colombie, Venezuela, et dans l'autre même dans l'Équateur et tout. Et puis, ils viennent tomber en Haïti, ils ont passé par la République dominicaine, ils ont passé de Haïti, tout grand quantité calé aux États-Unis, et une grande quantité calé en Europe. Donc, est-ce que Koulia, ça n'a vivre là comme situation qui a dit ces situations haïtiennes. Et c'est pas une situation tout qui crée de toutes pièces côté et c'est pas haïtien qui a payé pour casser hein, et que grande série de zones qui ont occupé et regardez qui j'ai répartition zone yoyé comment ils occupé et il y a des monde qui parlait de petit aéroport petit aéroport clandestin qui peut être autour d'une dizaine ou douzaine en Haïti. Donc ça veut dire que ça n'a vu là son situation qui est vraiment complexe et il est difficile pour un analyste à partir des petites informations qu'on gagne pour vraiment pour faire une analyse sérieuse ou obliger tout parfois à tomber la spéculation à partir de deux ou trois éléments qui sont morts. Et moi-même, franchement, et qu'on y a là, Fébé y a entré dans la question de guerre civile qui est possible. Parce que si le Premier ministre Ariel m'a dit pour Bessap déposer les armes, et pendant une période de telle période à telle période, il n'y a pas de armes, il n'y a pas de rien. Comme il y a un grand pilote qui a une alliance avec Guy Philippe, et Guy Philippe dit qu'il faut faire une révolution, et Maurice Jean-Charles parle de craser brisé. Donc, c'est comme si nous n'avons pas de force de frappe Bessap là encore, et en face, ou bien la police nationale qui campe, ou bien la médaille qui campe. Et si Jean-Moué Bessap dérapé là, il n'y a pas respecté l'autre premier ministre en bas là, donc on va avoir une confrontation directe avec les forces légales et Bessap qui est pratiquement déclaré légal, puisque il dit, on va aller faire ceci, on va aller faire cela, on va évoquer le directeur général. Je vais analyser tout ça dans le dernier article que je fais. Et ça a vu une bombe vraiment, une bonne inquiétude. Nous avons une période d'incertitude et nous attendons ça 7 février à bail par rapport à la question d'insécurité et tout le reste va découler de lui. Instabilité, est-ce que la vie est plus grave? Est-ce que nous allons tomber, non, laisser frapper entre nous? Et de toute manière, quel que soit ça qui arrive avec violence et avec plus de monde mourir. Et ces derniers temps, à ce qu'il paraît, semaine ça, il y a Bouba qui est dans la zone Mariani. Qui sont pour 70 personnes, il y a les talibans qui sont dans la route nationale numéro 3. Donc, Port-au-Prince isolé, est-ce que c'est isolé pour barrer la route avec force qui a rentré, sorti dans la province? Parce que je dis que Philippe a rentré Port-au-Prince quand même. Donc, à ce moment-là, sous un scénario qui a gagné en 2004, côté, ils étaient sortis dans le nord, ils étaient passés dans l'Artibonite, ils étaient montés à Port-au-Prince, et à ce moment-là, et toute force qui était accompagnée du président Aristide Diou, était campée sur le terrain pour faire face avec et Guy Philippe qui était rentré jusqu'à ce que le président Aristide était allé, et ça a décanté la situation. Est-ce que je dis, hein, nous allons entrer dans le même bagage qu'on s'en croit? Est-ce qu'il y a une confrontation, ou bien est-ce que Ariel à retirer le colis pour faciliter une solution ou une forme d'entente. Et là encore,
Je me demande si tout le monde qui campe en face à Ariel, est-ce que si Ariel n'allait pas tout commencer à goûter à tout le monde? Il y a aussi un mot encore qui est intéressant, entendre, la retrouver plusieurs fois dans la bouche. J'avais l'homme à regarder à côté de panorama sur ce décret, où gagner le congrès de la CAE qui fait proposition, ou Le bon, congrès de l'autre groupe, Panamé. Le congrès de le Panamé. congrès de Wanamet, c'est la question histoire, le congrès de la CAE, et où gagner des groupes politiciens qui ont tendance à mettre tête ensemble pour dire, mais qui ça vous proposer. Mais il y a une hypocrisie. C'est que d'un côté, on groupe monde bon, tout ça qui vient dans le pays, c'est les États-Unis, c'était la France, le Canada qu'on est plus concentré, c'est les États-Unis qui causent ça arrive, c'est les États-Unis qui tombent à Ariel. Il y a demandé pour les États-Unis de venir à Ariel. Il est très critique vis-à-vis des États-Unis. Nous devons une hypocrisie. Si qu'on connaît ces groupes ça qui tombent bon monde au pouvoir, et le monde ne va pas faire pays à marcher, ou bien deux bagages en face. C'est co-organiser ou retirer ou non, le ça ou imposer, force qu'en face à qui te kembe là, à obliger de négocier avant, parce que c'est le rapport des forces en politique. Je ne peux pas comprendre, pendant la critique, on est l'irresponsable, c'est lui kembe, et puis c'est lui-même qui a obtenu espoir ou dit qu'il vient retirer Ariel pour. Est-ce que pas une hypocrisie dans ça? C'est Bon, soit vous m'en retirez Ariel, ou encore, où nous venons en tête pour nous retirer d'un pays. Mais d'un côté, on va critiquer un monde responsable, c'est lui qui cause, c'est lui qui met tête. De l'autre côté, on va attendre, c'est lui qui vient retirer le monde. Bon, hypocrisie, là, pour moi-même. moi, par contre, si c'est hypocrisie, moi, on va pas me dire les lits. Mais on ne sait pas comment on est. Si on moun, et on a des amis qui mourent l'autre jour, Bernard Itéa, mais qui, en époque donnée, après le départ de Jean-Claude Duvalier, monsieur, c'est sociologue, et puis nous avons monté dans une zone quoi faire au début de notre travail, dans la question système d'irrigation. Et monsieur a dit mon bagaille qui était dans la tête moi et que je fais sortir dans plusieurs articles. Monsieur a dit comme ça, pour un président Haïti et aller en chef d'État ou bien un monde qui est sous pouvoir, il y a trois conditions qui pourraient réunir. Premièrement, l'arrière chaud. Dans le cas d'Ariel, l'arrière chaud. Deuxièmement, faut que les gens aient volonté pour l'aller. Et troisièmement, faut les lâcher par Américain. En d'autres termes, c'est comme ça, quand Jean-Claude Duvalier a été présenté, et nous prenons l'histoire récente, le président Aristide allait dans la même condition ça. L'arrière chaud, l'idée volonté pour l'aller. Et le gouvernement américain était lâché lui et il était obligé d'aller. Mais là, on prend le cas de Matéli. L'arrière était chaud. Matéli n'a pas de volonté pour l'aller. Et le gouvernement américain était qu'un bel tout. Je dis à Ariel, dans trois conditions, ça une seule condition qui réunit, c'est que l'arrière est chaud. Jusqu'à présent, Ariel semble qu'il y aller. Et là, on regarde Il les voulait aller. déclarations qui voulaient aller. Et là, on regarde maintenant. Position et chargé d'affaires américain en Haïti. Hein? L'obgade position et moun qui est responsable politique américaine dans la question dans toute l'Amérique latine. Et l'obgade déclaration moun qui basé même et à Washington. À part les parlementaires qui ont dit gens mandé pour président et Biden fonge avec Ariel. On va sentir, on sentit Ariel qui a appui américain. Donc, condition et des conditions, ça, pour Ariel d'avoir aller, ou d'avoir aller, ou bien pour Américain dans la chérie, conditions, ça, pour qu'on réunisse. Donc, ça peut sembler, je veux dire, qui a fait, sont laissés frapper entre nous. Et si laissés frapper, ça a fait, nous avons dit ça à tout l'article, hein, nous avons une intervention de la communauté internationale pour sauver la situation ça. Mais pas pour sauver la situation ça pour nous, mais pour sauver la situation ça pour yo. Parce qu'en réalité, problème haïtien, si vous voulez résoudre depuis longtemps, vous avez toujours résoudre. Je vais prendre un exemple simple. Haïti n'a pas souffert depuis longtemps. Depuis sous Jovenel, passé par Ariel, bandi a tué nous, bandi a rentré la caille nous, bandi prend bien nous. Bandi... Pas jamais aucune réaction du gouvernement en place
pas jamais aucune réaction de la communauté internationale. C'est le statu quo, c'est normal. Il y a tué Haïtien, il y a tué Porvieux, il y a tué Bandek Nouessayo, il y a crasé classe moyenne, il y a bourgeois qui ont des problèmes puisque vous même contrôlé les bandits. Donc, c'est normal. Automatiquement, le peuple a bouqué, parce qu'il y a un petit homme là qui était dans la zone en haut, oublié le nom, monsieur, qui était, c'est un nègre qui était boulé dans la machine, qui boulé le sénateur dans la machine, etc. Il a fini par prendre monsieur. Et partisans, monsieur, ont couru sauver, ont rentré dans la zone Pétionville. Et Mounkala Bévet déclenché une opération qui est le Bois-Calais. Opération de l'espoir. Et ils ont commencé à tuer bandits. International est en moué. Gouvernement obligé de réagir. Et gouvernement lui-même prend des mesures pour stopper cette histoire. Donc, chaque fois que situation. Ça veut changer en faveur masse peuple, monde qui a des problèmes, yo, toujours, une intervention de l'international, une intervention du gouvernement en place pour cramper ça. Mais depuis, pas de gens de magasin, pas de problème. Voilà que qu'on y a là, n'est-ce pas bloqué route, Marianne est bloquée, donc, ou pas aller dans le sud, et là, dans le Cafouneuf, ou pas aller. Non, mon gabrit, ou pas aller, puis est-ce que tu vas sortir qui devant le prince? Mais pas que des mesures qui prend pour débloquer la situation. Ça. Par contre, il y a une manifestation qui a fait, il y a une révolution qui a parlé, soi-disant pour changer la situation. Hein? Automatiquement, il y a des mesures qui prend et international l'a chauffé. C'est comme si Mdagadou, et déstabilisation pays, c'est qu'on est à la fête. Bon Dieu, t'as fait tout bien, il va déstabiliser le pays. Donc voilà, pour ça, on fait ça comme ça, c'est pour que nous comprenions dans quel contexte la vie. Volonté internationale la guerre, par moi-même, penser que si on a une volonté pour faire des bagailles, je t'en fais le dire. Là, malencontre de ce dire, d'accord, tout ça est allé, mais l'on dit que. Si international te gen volonté ou soit te vle résoudre problème Haïti, là mon gros problème. Par exemple, l'homme gade dans le cas de l'Ukraine qui gagne la Russie envahie, l'Ukraine mande aide, mais c'est Ukrainien qui s'attend de yon, s'attend de veya, qui offre tête pour yon défendre le pays. Donc, là, moun pas de temps, moun ga résoudre problème pour. Là, c'est seul point pas d'accord avoir. C'est dégager nous de responsabilité par nous, on va faire un désordre, et puis nous allons attendre que le monde vienne réagir. Et l'autre aspect, je vais garder toujours au même. Dans le système de gouvernement qui gagne, ces derniers aspects à aborder, ou gagne ça ou le régime démocratique qui chita sous élection périodique pour renouveler ou kembe personnel politique là. Avec une petite différence, on va le faire sortir dans le côté qui gagne, ou à l'Angleterre, m'a quitté l'espace là pour capter. Maintenant, ou bien régime dictatorial, côté, c'est un parti unique qui gagne un leader, qui gagne contrôle pouvoir, li gon pouvoir illimité et li gen droit qui aime pouvoir pour pas de temps. Et même si on fait élection, son élection en dans parti, c'est même yon même idéologie. Et troisième régime qui gagne encore dans le monde là, c'est régime dictatorial qui chita sous croyance religieuse ou qu'apprendre au niveau musulman. Nous t'arrêtons dans l'observation de la réalité de la ville, c'est qui régime haïtien besoin. Parce que nous avons une dictature, nous avons une dictature, pas bon, nous disons qu'on va entrer dans la démocratie, démocratie un problème. Est-ce que nous-mêmes, est-ce que pas un problème dans nous? Nous comprendre la réalité mondiale, nous comprendre le système. Donc, pas un problème dans nous toujours. Bon, moi-même, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parler de l'international. Je suis parti de une assertion, une réflexion de Bernard Itéa, et montrer que, et à travers l'histoire ces derniers temps, tout le monde qui quittait le pouvoir, ou bien tout le monde qui était sous pouvoir, trois critères ça a été appliqué. C'est là ça ça me parlait de l'international et si on t'a voulu, il t'a fait tel bagage. C'est comme ça nous toutes nous pensons. Nous toutes nous croyons que c'est international là qui vous dit qui élection bon
C'est l'international qui vous dit qui moun qui passe. C'est l'international qui vous dit. Il va nous comme tout. Il va nous comme qui veut. Après, nous faisons un vote. Attends-moi. On est là maintenant, on prend le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, moi d'accord avec vous pour le cas de l'Ukraine. Non, l'Ukraine lui-même, il demande des aides pour lui résoudre le problème de lui-même. Même. Et en même temps, tout, il utilise les matières grises, la Kaili, pour construire une série d'armes en fonction des compétences. Il y a une COP, c'est vrai, de armes non mais internationales là. Et comme Occident n'a pas le droit pour tirer sur la Russie avec ZAM, ils ont fait des drones et qu'ils ont frappé la Russie jusqu'à 1000 km à l'intérieur de la Russie. Ils ont arrivé à faire des drones navals, côté ils ont crasé près d'une vingtaine de bateaux, et russes, alors qu'ils n'ont pas de marine. Parce que les Russes ont écrasé toute la marine. Mais au même tour, ils mettent tête ensemble pour faire payer au marché, pour défendre tête. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas aucune entente entre nous. Et nous, tout ce temps-là, c'est international qui a fait virer, tourner, vient faire rencontre, vient faire des réunions, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur du pays, pour joindre une solution à l'haïtienne. Et solution, ça va jamais gavini. Nous avons un accord, des accords. Et je dis, nous arrivons dans la situation que nous y est là. Et c'est comme si nos politiciens, problème haïtien secondaire. Parce qu'en réalité, c'est au toit que je m'y mets. Et c'est l'instabilité politique ça qui met tout la situation d'insécurité globale qu'on va vivre là. Et peut-être ça, moi, t'es parlé de questions. Et bah, maintenant, pour question de qui régime Haïti a besoin. Je ne connais pas qui régime Haïti a besoin. Haïti fait le choix de la démocratie avec la constitution de 1987. C'est ça le dit. Et ça, vous l'avez fait. Sauf que vous faites une constitution déséquilibrée parce que vous sortez une non-constitution déséquilibrée. Le pouvoir fort, c'était le pouvoir exécutif. Le pouvoir, c'est le pouvoir qui a suivi. Il n'y a pas aucune autonomie qui a fonctionné. Nous venons avec une constitution. Moi-même, je caractérise le temps que ça un triangle quelconque. Au grand, un grand côté qui est le Parlement, au grand côté plus ou moins bah, qui est l'exécutif, au grand petit côté qui est le judiciaire. Et c'est peut-être ça, moi, je parlé d'un système équilatéral. Le fait que je me parle d'un système équilatéral, avec un triangle équilatéral qui gagne trois côtés égaux, moi, je dis, on a un pouvoir exécutif. Qui est arrêté par un pouvoir judiciaire et qui est arrêté par un pouvoir et check and balance, qui est arrêté par le pouvoir législatif. Là, ça a souvent équilibre, ça, ou la démocratie. C'est ça, moi, qui a sauvé le pays, qui a changé le pays. Et j'ai une raison qui fait qu'à partir de là, nous venons avec l'idée, pour battre à la commencer jeudi, pour nous arriver en 2054. Et en 2054, pour nous, un pays, côté son modèle de démocratie solidaire et qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Et qui vient deux grandes étapes là-dedans pour arriver là. Ou qui premier, il faut arriver à baisser tête ou manger. C'est ça, nous, pour nous gagner en sécurité alimentaire, en souveraineté alimentaire autour de 88%. Et pour nous gagner, il y a un pays qui de un niveau d'émergence à la manière de la Scandinavie. Très clair. Mbalan yunna sosu diolayo, un régime démocratique équilibré, côté le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, moi-même, bagay pour me choisir, ni ça qu'a fait en Chine, ni ça qu'a fait en Iran, ni ça qu'a fait aux États-Unis, ni ça qu'a fait en France, m'vle yon, si on parle de démocratie, et pas de démocratie à l'américaine, ni à la française, ni à la ceci, à la cela, ni pas besoin, et on va à la manière de l'Afrique ces derniers temps, moi, c'est moi-même, pas chambre, c'est pour la démocratie. Mais une démocratie équilibrée, une démocratie tout, qui permet de nous arriver à réduire l'écart entre riches et pauvres, c'est pour que ce soit une catégorie de monde, à une plus riche, une catégorie de plus pauvre.
Et c'est l'équilibre total capital, c'est comme ça, moins ouel. Est-ce que le possible? Moi, pas connais. On n'a pas parlé de révolution pour 7 février. Eh bien, bon, en outre, le 7 février, il y a eu, on ne compte pas le passé. Jean-Aubert, n'a pas fini l'émission. Et problème démocratie, nous, tout, m'a pas ajouté, c'est un cas ou bâti sous même fondation. L'objet des structures de l'État, c'est toujours pour nous qui contrôle toute décision que vous avez. L'objet des systèmes mériaux, c'est toujours même structure dans l'époque dictature. Et vous regardez qu'un paquet d'éléments que vous avez joué dans la dictature, retrouver ce que la dictature rejoint dans la démocratie. Donc, nous ne pas donner la peine pour nous déchiffrer tout ça qui est négatif dans la dictature, dans ce que vous avez. Et puis, nous faisons une constitution qui gagne préjugé là-dedans, mettez ma coup de pour 10 ans, au lieu de notre système démocratique, c'est puni tout le monde qui devait des autres. Non, système démocratique, c'est permettre chaque département qu'on autonomie. Les élections, c'est pas CP, pas le président qui a dit, mais qui compte, qui va se même j'ai annoncé deux pays, chaque département autonome, dans le choix, monde qui représente. Donc, nous chitons en constitution, sous même fondation dictature, et Livin Banou, ça nous gagne, je ne veux dire là. Donc, de trois régimes, nous parlons d'accord avant, je ne veux dire, nous parlons d'un jour. Nous courons pour dictature. Nous entrons tête en bas dans la démocratie, nous ne comprenons pas. Et je dis, je ne dis pas, Haïti n'est pas ni dans la dictature ni dans la démocratie. Nous avons l'autre bagaille, peut-être, nous ne comprenons pas qui nous a parlé. Je vais nous arriver dans la émission. Non. Écoutez, moi-même, moi, clair. Moi, écrit un article en septembre 2019, en pleine période. Et dans le dernier texte, moi, fait semaine ça, tout le monde qui à l'ITEX, qui pesait en bas, dans le deuxième, dans le côté, me fait citation, vous savez, les références, qui tapait sous bagage ça, il y a besoin de modèle que moi, avec conseil de amis, me proposer, que me schématiser et me penser que j'ai de bonnes idées là-dedans. Ça n'a pas vu qu'on y a, il n'y a pas non. Mais il faut nous aller quelque part. Et si vous allez quelque part, il faut nous avoir un guidage. Et moi-même, c'est la logique, ça, mon travail. Et Horizon 2054, émission, ça, on a fait là, c'est la logique, ça, le fait. Donc, nous avons intérêt pour nous divulguer toute information, ça. Yo. Et moi, je vous lis tout, parce que vous ne pouvez pas lire. Et à ce moment-là, il y a un élément de solution en d'article, ça. En d'article, m'écrit, dernier article, m'écrit. Hein. Et surtout, dans l'article, nous écrit en septembre. Et en août, deux articles de crise, et en 2019, en pleine période de pays locs. Et grand pile monde qui a adhéré avec eux, et même dans Wanamet, par exemple, vous regardez les propositions Wanamet, ils n'ont pas loin de ça, n'a pas dit là. Donc, vous pas décourager pour nous dire ça que là, c'est lui-même qui l'a, ça que là. De toute manière, il va arrêter. Faut qu'il solutionne. Soit le solutionner soit en forme d'entente, soit le solutionner soit en forme de bataille. Et c'est ça, nous voulons éviter, nous ne voulons pas s'en couler encore. Nous sommes là. Merci beaucoup. Bon, nous arrivons dans l'émission, merci Jean-Aubert. Nous avons 7 février, ça va passer, puis surtout, nous disons date charnière. En tout cas, nous-mêmes, nous avons observé, nous avons rendez-vous à la prochaine. À la prochaine, sur cette chaîne.